Salut à tous et bienvenue sur Cannabis Trop TV. J'espère que vous allez bien, que le début de votre été se passe bien et que peut-être vous avez la chance de cultiver des plantes en extérieur. De mon côté, tout va très bien et j'ai commencé ma culture outdoor comme chaque année, mais par contre, cette fois-ci, j'ai décidé de vous la partager sur la chaîne YouTube. Comme je vous le disais, c'est la première fois qu'on fait un journal de culture sur la culture outdoor sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à laisser toutes vos questions en commentaire. Et normalement, je vais faire une vidéo tous les 15 jours pour vous tenir à jour de l'évolution des plantes, et en même temps, j'en profiterai pour répondre aux questions que vous allez laisser en commentaire des vidéos. Pour celles et ceux qui seraient un petit peu impatients ou qui aimeraient en savoir plus sur l'évolution des plantes, venez nous suivre sur Instagram. Je poste souvent des stories des plantes outdoor ou même de mes indoor. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, à poser vos questions aussi sur Instagram. J'en sélectionnerai certaines pour pouvoir les mettre dans les vidéos futures. Pour commencer ce premier épisode de cette série de journal de culture, on va d'abord parler des variétés qu'on a utilisées, vous donner un petit peu leur historique, on va parler du setup qu'on a mis en place à l'extérieur pour pouvoir cultiver les plantes pendant toute la saison. Et en fin de vidéo, je vous parlerai de la récolte et des projets que j'ai de vidéos avec cette récolte, parce qu'il y a des vidéos qui sont très demandées sur la chaîne, mais j'ai besoin du soutien de la communauté pour pouvoir réaliser cette vidéo. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Alors, on a mis dehors des plantes qui sont issues du Seed Project, un petit collectif de breeders dont je fais partie, dans lequel on essaye de brider des variétés, rien de glorieux, mais on a quand même des variétés qui sont assez stables. Alors, on a essayé dehors maintenant de mettre de la bleu, blanc, rouge, de la Trichum Cookie et de la Jack le Rouge. Donc, ce sont des plantes que nous avons nous-mêmes bridées. Ils sont issus de graines et d'habitude, j'utilise des clones pour mes outdoors, mais cette année, j'ai décidé de tester mes variétés à l'extérieur pour voir comment elles répondent et savoir si ce sont des bonnes variétés pour l'extérieur tout simplement. Les plantes ont été démarrées depuis la graine en intérieur dans une petite box de 60 par 60 avec un humidificateur, et j'ai planté les graines dans des petits cubes Jiffy Plug qui sont des cubes de terre compressée qui vont permettre de faire la germination les quelques premières journées d'enracinement. Puis dès qu'il y aura des bonnes racines, je les ai transférées dans des pots de 7 cm par 7 cm sur 7 de haut. Et après j'ai gardé les plantes comme ça dans ces pots de 7,5 par 7,5 pendant environ 3 semaines avec un taux d'humidité de 70%, mais en dessous par contre d'une lampe de 400 watts. Une fois que les plantes sont parties en intérieur, qu'elles sont bien développées et qu'elles ont un bon système racinaire, le plus gros défi entre guillemets, ça va être de trouver le bon moment pour les mettre à l'extérieur et réussir la transition entre l'indoor et le outdoor. Les conseils que je pourrais vous donner pour réussir sa transition intérieure vers extérieur seraient de ne pas trop se précipiter et d'avoir la météo comme meilleur ami. Alors il faut avoir des nuits avec des températures supérieures à 10-15 degrés pour que la plante ne soit pas en fait ralentie dans son développement, parce que les plantes cannabis n'aiment pas du tout le froid, et quand ils ont trop froid, en fait ils vont totalement arrêter leur croissance jusqu'à que les températures soient meilleures. Donc des fois, de trop se précipiter et de les sortir avec des journées ensoleillées mais très froides la nuit, et ben cela va vous faire perdre du temps. Ensuite, ce que je pourrais vous conseiller, c'est d'essayer de prévoir une semaine ensoleillée qui soit pas trop nuageuse, pour lequel les plantes vont pouvoir capter beaucoup de lumière et justement vont favoriser la captation de lumière, l'enracinement et donc en fait l'acclimatation de la plante dans son nouvel environnement. Cette année pour l'outdoor, j'ai décidé d'utiliser deux tailles de pots et deux types de pots différents. Alors j'ai utilisé 6 pots en tissu de 40 litres et j'ai utilisé 6 pots en plastique de 6 litres. Alors l'objectif derrière ça, c'était juste d'avoir des plantes qui vont avoir vraiment un gros rendement dans des gros pots et des petites plantes qui vont juste me permettre de vérifier si vraiment toutes les plantes sont assez stables et homogènes sans avoir trop besoin de m'occuper de grosses plantes. Pour le substrat, rien d'extraordinaire, c'est un mélange que je fais à peu près tous les ans, c'est un mélange assez simple, ça va être du promix mycorhizé, un petit peu d'humus, du compost d'algues marines, du fumier de poule, et après je vais arroser mes plantes à peu près deux fois par semaine avec des algues marines liquides. Cette composition devrait aider à l'enracinement des plantes pendant les premières semaines et en même temps leur donner suffisamment de nutriments pour tenir à peu près un mois et demi à deux mois sans avoir vraiment besoin de réamender le sol. Pour ceux qui se posent la question de pourquoi est-ce que j'ai pas planté en pleine terre, c'est tout simplement parce que je n'ai pas d'endroit assez ensoleillé en pleine terre. Le seul endroit que j'ai qui est vraiment très ensoleillé, c'est un morceau de mon toit et sur lequel je peux uniquement que mettre des pots. Donc c'est pour ça que je n'ai pas planté en pleine terre.
Maintenant, parlons un petit peu de la récolte qui va arriver à peu près vers le mois d'octobre, vers le 15 ou 30 octobre, et des projets de vidéos que je pourrais faire avec cette récolte 2022. En gros, j'ai deux projets pour lesquels j'aurais besoin que la communauté me soutienne financièrement, mais quand je parle financièrement, ça peut être des petits dons de 1, 2, 3, 4, 5 dollars. C'est pas obligatoirement des gros dons. Donc je vais vous exposer les deux projets. Alors le projet numéro 1, ce serait de faire l'analyse des profils de terpènes et des profils de cannabinoïdes des 12 plantes que je suis en train de cultiver à l'extérieur. Donc en fait, un test pour une seule plante, pour faire le profil de terpènes et de cannabinoïdes, ça coûte 250 $. Donc si on fait le calcul, 250 $ x 12, ça fait un budget de 3 000 $. Pour le projet numéro 2, ça serait plutôt acheter du matériel pour faire plusieurs vidéos. Alors l'idée, ce serait d'acheter un dry freezer, un lyophilisateur, qui nous permettrait de refaire la vidéo sur le bubble hash et de faire enfin la vidéo sur l'affinage du bubble hash. Beaucoup de gens me l'ont demandé, mais il me manque cette machine à 4 500 $ pour pouvoir faire vraiment une vidéo complète sur toutes les méthodes d'affinage du bubble hash. Donc cette machine coûte 4 500 $ et c'est là où aussi j'ai besoin de l'aide de la communauté. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si les projets vous plaisent, si ça vous intéresserait de soutenir par des micro-dons ce type de projet et donc ce type de vidéo. Donc mettez en commentaire si vous préférez le projet numéro 1, si vous préférez le projet numéro 2 et si vous aimeriez voir les deux projets parce que les deux vous intéressent, vous mettez en commentaire numéro 3 par exemple, comme ça fait l'addition du 1 et du 2. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Laissez aussi vos questions sur le outdoor. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui connaissent pas trop bien la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne, à vous abonner, à mettre la cloche pour les nouvelles vidéos qui vont arriver, parce qu'il y a de nouvelles vidéos qui vont expliquer un petit peu le futur de la chaîne et de ce qui se passe sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre aussi sur Instagram. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter de belles cultures, de bien vous amuser, de vous dire peace et à la prochaine vidéo.